À Marseille, sur cette place dominant le vieux port, mais aussi un peu partout dans la cité, Jean-Pierre Melville promène son flegme et sa caméra, l'un et l'autre nécessaires au tournage du Second Souffle, un film adapté du roman série noire de José Giovanni, une histoire de truand dure et violente qui mettra à rude épreuve les nerfs d'acier de Paul Meurice, commissaire de police pour la circonstance. Un film aux nombreuses vedettes, parmi lesquelles Mel Ferrer ne se laisse pas facilement reconnaître sous sa moustache à la française. Un film à propos duquel Jean-Pierre Melville veut bien nous donner quelques précisions. C'est un film policier d'une certaine importance. Je dis d'une certaine importance parce qu'en France, on a peut-être pris à tort l'habitude de considérer que le film policier était un genre mineur. Je crois que c'est un genre majeur, mais très difficile à faire. Depuis très longtemps, j'avais envie d'en faire un de vrai. Je m'étais essayé un jour à faire un petit film d'entraînement, dirons-nous, et celui-là est un gros morceau. Difficile pour plein de raisons, et surtout à cause des 12 rôles qui composent ce film, qui sont des rôles difficiles à fournir, et les premiers rôles, encore plus, bien entendu, parmi les 12, que les 8 autres. Parmi tous ces personnages, il en est un, Joseph Minda, qui tient une place essentielle, puisqu'en fait, c'est de son histoire qu'il s'agit. Heureusement, les solides épaules de Lino Ventura supportent le poids du rôle. Oui, effectivement, comme Jean-Pierre Melville vous l'a dit, je crois que c'est un film d'une certaine importance, effectivement. C'est un film très difficile à faire, enfin, tout au moins pour nous, acteurs, comme pour lui, metteur en scène. Je crois que pour ma part, ce sera plutôt un des plus difficiles que j'aurais jamais fait. On peut vous demander pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est un personnage un peu en dehors de la norme, si vous voulez. C'est un peu une composition et moi, je ne suis pas un acteur tellement habitué à des compositions. Ce personnage est un personnage un peu fatigué, fatigué moralement et physiquement aussi. Et puis, enfin, il se passe des choses dans ce film qui ne sont pas uniquement des exploits gratuits de gangsters. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, elle est trop complexe. Et puis, enfin, on ne peut pas déflorer comme ça un film, mais beaucoup de choses font qu'il est difficile. Monsieur Paul Meurice, vous interprétez, nous le savons déjà, un rôle de commissaire de police. Et vous avez votre opinion sur ce rôle et sur le personnage? Une opinion, non, ça c'est peut-être beaucoup dit. C'est un commissaire de police, il pourrait être marchand de cacahuètes, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte pour un acteur, je crois, c'est dire le texte et de s'entendre avec son metteur en scène, et c'est ce que je vais essayer de faire. Pourquoi essayer? Parce que c'est la première fois que je tourne avec Jean-Pierre Melville et que j'ai l'intention d'essayer de faire ce qu'il va me demander. On ne fait pas toujours exactement ce qu'un metteur en scène vous demande. On croit qu'on le fait, mais on passe à côté. Tout peut arriver.